Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les tutos de Medex. Donc, au menu, nous avons cette coupe-là. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Hashtag le paradis se mérite, hein. Voilà ça. Rapid. Electric tape. Le bon adhésif en français. Sinon, on a Ghost Bond. Non, c'est pas Ghost Bond, Hair Bond Glue. Et on a Ghost Bond. On a aussi besoin d'un wig cap. Hello. Et j'ai oublié de mentionner le crayon pour les sourcils. Pour les femmes en fait. Donc là voilà, j'essaie de mettre à côté les cheveux que je veux pas couper. Je sépare les cheveux et là j'enlève. Donc au début je commence à 0.5 parce que je sache, juste pour voir où je vais. Et comme ça, ça va laisser son, vous voyez un peu les contours naturels. Et je vais pouvoir repasser le crayon naturellement avec exactement. Là, j'essaie de tracer ces contours. Vu que ces contours sont là, donc j'essaie de les tracer, mais sans pour autant rentrer, mais comme lui donner un petit, avancer un peu ses contours, quoi. Mais faut que ça paraisse vraiment naturel, donc on veut pas non plus abuser. Je suppose qu'avec le temps il avait perdu quand même beaucoup de cheveux, donc c'est pour ça que j'ai avancé un peu ses contours. Donc maintenant là on va raser avec la Slimline Pro à 0 et par après on passera la lame quoi. Ah shit, ça fait mal. Oh putain, d'accord. Et là, je commence à mettre la colle pour préparer le petit papier noir là que vous avez vu tout à l'heure, dont je connais pas le nom. Bon, le nom sur le carton c'est Wrap It. Ah voilà. Problème de caméra encore, hein. Ça m'arrive trop souvent. J'en ai marre. Donc là, voilà. Vous voyez ce que j'ai fait. Je colle le papier tout autour.
comme là, j'aurais dû attendre que la colle sèche juste un peu avant de jouer avec. Mais non, ça je ne savais pas. Comment j'allais savoir? Il fallait essayer quoi. Et là, je coupe, il est complètement sec. Je vais mettre le ruban adhésif tout autour des contours. Comme ça, après je peux mettre la colle sans que ça dépasse. Et là j'enlève le ruban et j'essaie d'enlever les excès avec les ciseaux que j'utilise plus car ça va devenir collant. Ouais, là je crois que j'en avais mis trop. Vous allez voir plus tard, je vais enlever un peu. Mais ouais, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ouais, là je mets ces cheveux là. Ah, j'ai même pas pris. Ah, c'est quoi le nom déjà? Bref, ça s'appelle des afro twists en fait. C'est des afro twists. Je crois que c'est avec les mêmes cheveux que j'ai utilisé pour faire. Si vous n'avez pas vu l'autre vidéo que j'ai fait, c'est vraiment avec ça que j'ai utilisé. En tout cas, je mettrai les liens dans la description pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai utilisé. Et là, vous voyez, j'enlève l'excès. En fait, ça, c'est juste pour les contours. C'est pas les mêmes cheveux qu'on va utiliser au milieu. J'aurais dû attendre un peu comme j'ai dit tout à l'heure avant de coller car ça ne tenait pas, donc il fallait que j'appuie mais ça marchait pas. Et là j'ai compris que quand ça sèche un peu, ça devient un peu plus fort, et quand tu mets, c'est là que ça colle. Mais faut pas attendre non plus que ça sèche complètement pour commencer à coller les cheveux.
Ouais, là, j'utilise mes tondeuses. Je ne mets pas de sabot car en mettant le sabot, on risque juste de tirer les cheveux puis d'enlever la colle. Bon, bref. Donc, on utilise la main libre. Bon, voilà, ça va être tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de vidéo-là, faites-moi signe dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, commentez. Et on se retrouve à la prochaine.